Oui. Comment est-ce qu'ils vont? Comment ça va les gars? Joyeuse Tots, première ligue. Ça va nickel les gars, ça va très très bien. Je suis très hypé par la Tots première ligue, même si en vrai, je sens que ça va être très dur de les packer. Hein. Je vois quand même des très belles cartes là devant moi. YouTube, bien. On espère que vous allez packer du très très lourd. Et nous aussi évidemment. Personnellement, je vais pas le faire. Moi, je suis pas intéressé par Saint-Max. J'ai trop de mecs à gauche. Moi, il me faut des mecs à droite. Le retour du choix héros les gars avec les fantasy. Je pense que je vais le faire aussi avec les doublons. Honnêtement, les connaissants, je crois que de base, il a 4-3. Du coup, ils vont pas le mettre en 5-3, ils vont le mettre en 4-4. Bon, Son qui est mieux noté qu'un Odegaard, qu'un Saka et tout. Tu sais que hier, on se demandait s'il allait lui mettre en double 4, comme son Totti. Ils ont fait mieux, les gars. Ils ont fait mieux. Ils l'ont mis en 4-5. Salah, du coup, il est en 5 GT. Il prend pas de up en MP. Ruben Dias. Putain, il ressemble un peu à son Totti. Remarquez, je crois que c'est lui qui a la meilleure carte, hein, pratiquement. Il peut jouer à GMG buteur, comme d'hab. J'ai même pas envie de regarder son prix, les gars. Franchement, j'ai même pas envie de regarder son prix. L'an dernier, il était en TOTS, en SBC. Il était en 4 GT, en 5 MP. Il était trop fort. Et il était noté, je crois, 96 de général. Mais franchement, si on a Casemiro, moi, je te le dis, je change toute mon équipe pour lui. Hein. Et autant prendre sa carte de Barzell, hein. Ok, là, je suis un peu surpris. Ils auraient pu lui mettre un 5 GT à Martinelli. Putain, j'ai pas envie de chouiner, mais les étoiles cette année, c'est incompréhensible. Par contre, la carte, elle est sale. Il peut jouer partout à droite et aussi en MG. Saliba, honnêtement, j'aurais donné la carte de Varane à Saliba. J'ai fait aussi les 82 là. Je sais pas si vous l'avez fait les gars, mais ils étaient dispo en flash. J'espère que vous les avez fait parce qu'en fait, ils coûtaient pas trop cher par rapport aux 81x3. J'ai dû vérifier un petit peu c'est quoi les prix là sur le marché. C'est pas un tas, mais Cancelo, je prends. T'inquiète, je vais l'avoir à Ashford. J'aimerais bien. Mais honnêtement, c'est compliqué. Walker, un petit Tot, Casemiro. Train, ton prend. Il parle autant qu'il chouine. Ouais, mais est-ce que tu packs un Tots? Moi, oui. Eh ben non. La porte. Vardy, putain, on tape que des mecs de première ligue. Il y en aura là-dedans, là, des Tots. 82 général garanti. Il y en aura là-dedans, mec, tranquille. Par contre, c'est quoi tous ces Trent, les gars? C'est un peu con. Thiago. Non, mais attends, mais il ne donne que les... Il y a que les années de première ligue. T'es marre, regarde, Trent. La porte. T'es marre. Allez. S'il vous plaît. Ok, merci Dybala. Par contre, les gars, c'est du troll à ce niveau-là ou pas? Arrêtez de me donner des promalés qui sont 85 minimum. Donnez du tot. Ok, Verratti, Marco. Du coup, on a mis les doublons. La première équipe, c'est fait. Et après, pour l'autre équipe, ça va être tranquille. Ok, du coup, les gars, le PP héros, on l'a fait direct. Directos, rapidos. Incroyable. El famoso PP héros. On veut des bonnes nationalités. Et pas de héros Coupe du Monde. Merci beaucoup. eSport. Park Ji-sung. Attends, il y a un anglais. Ah mais c'est un titan. Je crois que c'est un titan. Il y a Farlan en plus, ils m'ont donné Farlan. Park Ji-sung, mais oui, Monsieur Park. J'avoue que là, si c'était Farlan titan face à Park Ji-sung, j'aurais douté. Mais je pense que j'aurais quand même pris. Ah, en vrai, avec Araujo, ça m'aurait bien servi. Au Park, il a 538. Ah mais il peut jouer MDC et MC. Incroyable. Bienvenue à Park Ji-sung. Élevé, élevé. 99 d'endurance. La carte est folle. La carte est très bien. Bienvenue au club. Let's go, putain. Très belle carte en plus. C'est parfait. Je crois que c'est notre premier héros fut fantasy. On a packé. Parce que Mario Gomez, c'était un SBC. Mais en vrai, c'est cool pour les liens en Promo League, les gars. C'est trop bien. On est en Tots Promo League et on tape un héros fantasy en Promo League. Ok, c'était le pack héros celui-là. Jordi Alba 85, pas trop mal. Bah, il est propre ce pack. C'est quoi ce pack? Ils ont vraiment pas fait d'efforts sur les étoiles. À part les gros. Les Haaland et tout, les Salah, t'as vu là, t'inquiète, ils ont fait un effort. Tali, MC, Marco Verratti. Je crois qu'on l'a déjà, non? Anime au moins. Après, pour un 85, heureusement que c'est une anime et ça va être... Ah, mais tu vas me saouler combien de temps, mec? Combien de temps? Y'en a marre. C'est pas une coïncidence, en fait. On est trop écouté. On est surveillé, mec. Allez, un petit pack à 100k, là, parce que ça me démange. 84 de général garanti. J'aimerais bien voir du bleu. Merci beaucoup, eSport. Espagne, arrêtez les Espagnols. Ça va être Busquet. Quoi, joueur 85+. Allez, du bleu. Bordel. Pas qu'à 100 000 crédits, le deuxième. Ou le dernier. 84 de gêne garantie. Au moins, anime. Mais bordel. La porte, encore. Non, mais la porte. Il n'y a que du Citizen, en plus. On en a deux à ouvrir. Je les avais gardés pour la Promo League. Après, il faudrait que... Je garde aussi des packs pour la Liga, parce que la Liga, elle m'intéresse aussi énormément. Allez, eSport, du bleu. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a que des AG. Ah là là, il n'y a que des AG, que des doublons. Ah, les gars, il nous reste deux packs, là. Il nous reste le 81x11 Promo League et le 82x10. On n'a pas eu de bleu.
Allez, 82 x 10, c'est le dernier. S'il vous plaît. Et la lumière fut. Oui, Marcus. Martinelli, c'est pas mal. Et ben voilà le premier bleu. Le premier bleu. Mais dommage, il a pas 5 GT. Je sais, j'ai pas le droit de chouiner, mais j'ai envie de chouiner sur les 5 GT. Mais on prend. Merci beaucoup. Il est là. Enfin. Mais y'a que des AG. Yespoir, arrêtez de me troller avec les AG par pitié. En plus, je crois qu'il peut jouer que AGMG, non? En vrai, il a une belle carte. Après, dommage, il a pas les 5 GT qui font la différence. À ce niveau-là, on va dire. Ok, y'a Hugo Lloris et Laporte qui se cache derrière. Bon, Martinelli, c'est très très bien. Je suis content. Mais ouais, du coup, c'est que AGMG. J'avoue que j'aurais bien voulu l'avoir en vendable. 500 000 crédits là. Miam miam, hein. Mais bon, c'est un vendable, on prend quand même. T'as 5 AG jouables, les terrains à droite. C'est un peu pareil, moi, de mon côté. J'ai Di Maria, j'ai Martinelli, j'ai Ribéry. J'ai Mbappé qui peut jouer à gauche, mais du coup le mien il peut pas jouer à droite, le POTM. Ah non, il y a aussi... Ah merde, j'avais zappé, il y a 2,86+. Les gars, j'avais oublié 2,86+. C'est parti, avant le pack 81x11 de Proma League. Bon, pas de tots. Allez, un gros gène s'il vous plaît. Mané, mané, mané. Ça va être 2,86, ça veut dire. Encore de la Proma League en plus, hein. Allez, 81x11 les gars. Première League. Que des or rares. 81 minimum. Marcus. C'est de la merde. C'est quoi ce pack éclaté par terre? C'est quoi tous ces 83? 8 millions de crédits. C'est pas mal. Franchement, et je vends tout, j'ai 3 millions, ça veut dire qu'il nous reste encore 5 millions. C'est très bien. Hein. Tous les joueurs qu'on veut dans notre équipe ultime cette année, il coûte 1000 euros en fait. En fait, il faut mettre de l'argent, carrément. Après, ouais, il est incalable, hein. De toute façon, c'est pareil, hein. Tu tapes un tots, il est implaçable. Hein. Après, même si je mets Casemiro, tu veux que je mette qui ensuite pour Mbappé, pour Nkunku? Ah non, la Bundes, c'est fait. Mais après, ici, Mbappé, il aura pas le collectif. Samax, il pouvait jouer à droite, par exemple. J'aurais pu mettre Samax, il a le lien Proma League, il aura le lien avec Dera, avec Casemiro, et avec les Français que j'ai au club. C'est le problème. Sinon, je sacrifie Kreif, mais je veux pas sacrifier Kreif, c'est toujours le même souci. 6-5 GT, là, en plus, en football, ça fait stylé l'équipe. C'est propre. Attends, je peux mettre Firpo, est-ce que je peux faire les rats? Et là, il me faut Demarcos, j'avais bien kiffé. Les gars, j'ai trop... Les gars, mais vous vous rendez compte que des gens ne vont pas prendre cette carte? Est-ce que vous vous rendez compte que des gens vont sacrifier cette carte pour un 85x5? Pas mal, pas mal. Moi, j'aime bien. Mais on partira avec ça pour futur. Ça va, l'équipe, elle est pas dégueulasse. Je mettrai un style sur Aroro, sur mon pilier. J'espère que vous avez tapé du lourd, les gars. Que le grind a enfin payé. Et nous, de toute façon, nous attrapons demain. Donc, prenez soin de vous. Merci de votre soutien. Et à demain. Ciao, ciao les mecs. I just wanna dance. My heart goes out like that.